Donc je vais stopper là simplement pour vous dire que, un, être et discuter de la problématique de l'agent orange, certes avec des considérations qui sont d'ordre historique, de compréhension ou autre, est une des facettes. Une deuxième facette que vous allez pouvoir voir est d'avoir des démonstrations, des approches beaucoup plus scientifiques sur comment on est en train de modifier la nature, le fonctionnement, avec éventuellement les enjeux à relever, ce qui n'empêche pas d'avoir des réflexions politiques qui ne sont pas le cœur de cet après-midi. De véritablement remercier tous d'être présents pour assister à cette réunion. Et troisième point, remercier une fois de plus l'énergie de l'ensemble des organisateurs et des membres de l'association. Je vois Anna, je vois le professeur Sultan, je vois Madame Mandrou, de pouvoir en effet permettre, grâce à leur énergie, d'être un des canaux supplémentaires, et Dieu sait s'il va en falloir, pour relever ce challenge du XXIe siècle. Désolé une fois de plus d'avoir perturbé votre fin de repas et de l'avoir sorti de son cours tranquille. J'espère ne pas trop vous avoir induit un début de sieste, mais je vous remercie de votre attention. Passez une très bonne après-midi. Merci beaucoup, Monsieur le Doyen. Monsieur le Doyen est un soutien aussi indéfectible et engagé, non seulement auprès des activités de notre nouvelle association, la FAP, mais aussi auprès des historiens. Et je le remercie doublement à ce titre. Et de la francophonie, bien sûr. Et nous avons, d'ailleurs, je dévoile peut-être un scoop, mais nous avons un projet de colloque en commun sur la coopération médicale franco-vietnamienne de la colonisation à nos jours. Donc voilà, monsieur l'ambassadeur, j'espère que vous nous ferez l'honneur de votre présence aussi à cette occasion en 2020 pour les 800 ans, c'est ça, monsieur le doyen? Voilà. C'est 800 ans de la faculté de médecine. Merci à vous. Merci. Bien, ben voilà, la transition est toute trouvée puisque nous allons passer à la première table ronde sur l'histoire des guerres chimiques ou l'histoire de l'utilisation des armes chimiques dans les conflits qui ont pour la plupart été des conflits ou des guerres asymétriques. On peut remonter loin dans le temps pour évoquer cette question des armes chimiques. Olivier Lepic, qui est un peu notre spécialiste comme historien des armes chimiques, a écrit un petit ouvrage extrêmement utile que je vous recommande. Il évoque l'utilisation d'armes chimiques, notamment de fumée toxique, dans des traités de guerre indiens, chinois, etc. Donc ce n'est pas nouveau. On peut remonter à l'Antiquité, aux guerres entre l'Empire romain notamment et les nombreuses conquêtes qu'il a effectuées pour brosser un panorama assez large de l'utilisation de ces armes. Néanmoins, bien sûr, c'est au XXe siècle que ces armes vont être de plus en plus utilisées à des fins donc militaires. On les retrouve dans un certain nombre de conflits coloniaux. C'est le cas par exemple de la guerre des Boers. Donc la guerre des Boers, c'est en Afrique du Sud, les Britanniques, etc., recourent déjà à des armes chimiques. Ce sont plutôt des gaz, en fait, pendant la première moitié du XXe siècle qui vont être utilisés. On les retrouve aussi dans la conquête de l'Érythrée, de l'Éthiopie par les Italiens dans les années 30, de la conquête d'une partie de la Chine, la Mandchourie, par les Japonais dans les années 30. Donc là, on a une récurrence de l'utilisation des armes chimiques dans cette première moitié du XXe siècle. Mais, nous avons la chance d'avoir un grand spécialiste de la Première Guerre mondiale, la première utilisation massive des armes chimiques, en l'occurrence des gaz, c'est pendant la Première Guerre mondiale, on le sait tous. On le sait tous, mais avec des images un peu diffuses, des masques à gaz, des combattants, des poilus ou des soldats d'en face qui effectivement ont subi cette guerre chimique pour la première fois à une échelle
relativement importante. Et j'ai demandé à Frédéric Rousseau, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paul Valéry, qui en plus est le directeur de la Maison des sciences de l'homme à Montpellier, d'évoquer cette question l'utilisation des armes chimiques pendant la Première Guerre mondiale. Il est évident que la guerre chimique au Vietnam est la plus importante par le niveau des armes utilisées, par la quantité des produits déversés sur le Sud-Vietnam, par son bilan humain et écologique. Mais il me semblait important de vous donner aussi une certaine profondeur historique en remontant à la Première Guerre mondiale et en poursuivant notre cheminement historique jusqu'à l'actualité, hélas la plus récente, puisque vous savez qu'en Syrie, à plusieurs reprises, c'est prouvé, même s'il y a des contestations, des polémiques savamment entretenues, on sait que des armes chimiques ont été utilisées dans le conflit en Syrie. Et nous aurons un spécialiste, en l'occurrence de l'Iran, Clément Terme, pour évoquer cette question. Donc une table ronde, alors je demanderai à chacun des intervenants de réduire peut-être un quart d'heure sa présentation pour ne pas être trop long. Nous aurons aussi une intervention du général Rin sur l'action de Vava au Vietnam. Donc voilà, on va essayer de faire tenir la table ronde dans les délais impartis. Frédéric, je te laisse le micro là. Voilà. Bon, donc c'est une table ronde dans laquelle on parle chacun l'un après l'autre. Ok. Avant. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, je parle le premier, donc c'est moi qui vais parler le plus longtemps. Mais avant cela, je veux faire remarquer une petite lacune sur le flyer. Table ronde qui n'est pas scientifique de la part des historiens, ce qui laisse à penser que je peux continuer à dire n'importe quoi, contrairement aux médecins qui, eux, sont tenus à rester scientifiques. C'est terrible quand même. Non seulement ces préjugés, voire ces... Bon, j'en reste là. Alors, vous ne savez pas ce qui va vous arriver, hein, donc vous devriez attendre. Bon, concernant la Première Guerre mondiale, c'est vrai que on fait démarrer l'usage massif de la chimie ou des produits chimiques, des substances chimiques, des agents chimiques, je ne sais pas comment on doit dire, de la Première Guerre mondiale. Et puis, on a coutume même, en France particulièrement, de désigner le principal coupable. Et comme souvent en France, c'est l'Allemagne. Mais on a des bonnes raisons pour cela, bien sûr. Puisque le 22 avril 1915, un nuage, des nuées, ce n'est pas des obus à ce moment-là, ce sont des nuées qui sortent des tranchées allemandes et en Flandre et qui, grâce au vent, qui était bien tourné ce jour-là, le nuage est arrivé jusque dans les lignes françaises. Ça a été un grand scandale, évidemment exploité par les propagandes des alliés. Il faut dire que l'usage de telles substances était soi-disant interdit par la convention de La Haye du 29 juillet 1899, et donc immédiatement il y a eu une dénonciation pour une attaque qu'on juge déloyale, une attaque qui sort des lois de la guerre. Alors bon, on pourrait là aussi controverser sur le fait de savoir s'il y a des armes qui sont permises et d'autres qui ne le seraient pas à la guerre. Il n'empêche que les Allemands se sont défendus, pas seulement sur le terrain de bataille, mais aussi du point de vue de la propagande, et ils ont rétorqué aux Français qu'en fait, ils n'avaient fait que prévenir l'usage qui était annoncé par les Français dans une note interne à l'armée française, une note dans laquelle on donnait des instructions à l'armée relatives à l'usage de grenades et de munitions suffocantes.
Et cette instruction à l'armée française date du mois de février. Donc ça permet d'entretenir la controverse qui a commencé le premier. Bon, ce n'est pas un débat forcément très intéressant. Et donc je vais aller un peu plus loin pour poser un certain nombre de questions et apporter aussi quelques éléments de précision pour essayer d'évaluer si effectivement ce fut une grande guerre chimique que celle de 1914-1918. Bon, j'ai déjà posé la première question que je voulais soulever. Est-ce que l'emploi de substances chimiques est une arme comme une autre? Est-ce que c'est une arme déloyale? Je laisse ça de côté très vite pour me poser la question, est-ce que c'est une arme efficace? Si on prend l'exemple de la bataille de Verdun, qui est la reine des batailles, pour paraphraser Saddam, la reine des batailles de la Première Guerre mondiale, à peu près 500 000 morts des deux côtés, donc c'est vraiment la reine des batailles, à peu près autant de blessés. Sur ce nombre, moins de 1% d'obus à gaz ont été tirés, pendant cette bataille, moins d'1% des obus étaient chargés à gaz. Et en termes de chiffrage des victimes pendant cette bataille, on a compté un peu moins de 2400 victimes des gaz du côté français. Un peu moins de 2400. La bataille de Verdun, bon, c'est essentiellement de février à octobre 1916. Sur le chiffre des 2400 personnes, soldats touchés par les gaz, 400 sont morts. Les autres ont continué à vivre ou à survivre avec les lésions apportées par ces gaz. Mais je reviendrai plus tard sur la question du chiffrage des victimes. Avant cela, et c'est pour ça que la controverse pour savoir si ce sont les Allemands, les Français, les Britanniques ou qui sais-je encore auraient commencé à utiliser user des gaz. En fait, c'est beaucoup plus simple que cela. C'est une arme de pays riches, c'est une arme de pays industriels. Il faut avoir ce niveau de développement industriel et économique pour potentiellement user de gaz. Et donc en 14-18, ce sont les grandes puissances, notamment occidentales, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, et de façon plus modérée, la Russie, l'Autriche-Hongrie, et puis plus tard les États-Unis, qui sont en capacité d'utiliser le gaz. Néanmoins, on constate qu'au cours de la Première Guerre mondiale, je fais juste une pause parce que Charles se repose. C'est une arme de plus en plus utilisée. À mesure qu'on avance dans la guerre, on utilise de plus en plus les obus à gaz. Et c'est une arme qui pollue durablement. Donc là aussi, on peut établir un lien avec notre sujet vietnamien. Je ferai simplement référence, peut-être certains d'entre vous connaissent, sur le chemin des Dames, dans l'Aisne, il y a ce qu'on appelle encore aujourd'hui une zone rouge. C'est une zone c'est un territoire qui est impropre à tout usage. En fait, ce sont des zones aujourd'hui boisées qui sont gérées par l'ONF et sur laquelle on ne peut rien faire, sauf couper du bois, mais surtout pas brûler les branchages sur place. Le sol est empoisonné. Un siècle après, il est toujours empoisonné. Voilà. Alors, quelques données chiffrées. Au total, on aurait utilisé 112 000 tonnes d'agents chimiques pendant cette guerre. Les Allemands ont le record d'utilisation avec 52 000 tonnes. Les Français seraient deuxième, comme souvent, 26 000 tonnes. Les Anglais, 14 000 tonnes. Je disais tout à l'heure,
utilisation croissante des gaz pendant la Grande Guerre, c'est surtout en fait durant les derniers mois de la guerre, les derniers 11 mois, l'année 1918, qui a été la plus gazée. 52% des substances chimiques l'ont été durant les 11 derniers mois de l'année. Pour autant, les gaz de combat ont eu un rôle mineur dans la Grande Guerre. On aurait tiré 1,4 milliard d'obus. Sur ce volume tout à fait colossal, seuls 4,6% étaient des obus à gaz. Mais 15% des obus tirés en 1918 étaient à gaz. Donc il y a une croissance vraiment accélérée durant la dernière année. Avec un rôle également croissant de l'artillerie de campagne qui s'est considérablement perfectionnée. En termes de victimes, très vite, sans vous assommer de chiffres que vous aurez de toute façon oubliés dès que j'aurai fini, mais pour donner quand même des ordres de grandeur, sur le front ouest occidental, donc entre 14 et 18, les victimes, je compte ici les morts et les blessés, les Anglais ont compté 186 000 victimes, et sur ce chiffre-là, 61% l'ont été en 1918. Les Français ont dénombré 130 000 victimes, dont 85% en 18. Les Allemands, 107 000, dont 65% en 18. Venons-en aux décès causés par les gaz, ou directement par les gaz. Un peu moins de 6 000 Anglais sont morts par les gaz de combat. Un peu plus de 6 000 Français et 4 000 Allemands. Alors que le total des blessés pendant la Première Guerre mondiale se monte à 23 millions, vous voyez les ordres de grandeur, et on compte à peu près 8 500 000 tués. Donc, un rôle mineur, néanmoins, un gros impact psychologique sur les personnes qui ont été gazées directement et sur les familles qui ont dû les soutenir pendant les années qui ont suivi la guerre. Je ne sais plus qui me demandait ce matin. En fait, la plupart des combattants qui ne sont pas morts directement des gaz de combat ont néanmoins eu une espérance de vie réduite et surtout une vie dans des conditions très difficiles. Très douloureuse souvent, d'ailleurs. J'ajouterais que cette expérience de la Grande Guerre a généré la grande peur de l'entre-deux-guerres. Dans l'entre-deux-guerres, les Français, les Britanniques, les Allemands, tous les Européens qui avaient été frappés par cette guerre étaient hantés à l'idée de la future, dont on était tous intimement convaincus à l'époque que l'usage des gaz serait généralisé à ce moment-là, ce qui ne fut pas le cas. Mais on a inventé mieux, comme l'on sait. Alors, Pierre Journoux, tout à l'heure, y a fait allusion. Il a parmi les usages des gaz dans les colonies, il a oublié la guerre du Rif, à laquelle le maréchal Pétain a participé activement. En termes de réflexion presque conclusive, peut-être pour ce premier tour, je ne sais pas s'il y aura un deuxième tour, donc je fais ma réflexion tout de suite. Il me semble que, et c'est là où je rejoins peut-être une réflexion que j'avais faite ce matin en début de séance, on a une pratique de l'histoire, je parle là du point de vue des historiens, qui bute sur un mur, en ce sens que, voilà, moi je suis catalogué, chacun a une étiquette dans le dos, moi je suis un spécialiste de la Première Guerre mondiale, donc je ne parle que de guerre, que de mort, que de blessés à la guerre. Et on m'attend là.
Sauf que, à considérer que l'usage des gaz de combat n'est qu'une question de guerre, eh bien, on passe à côté de beaucoup d'autres dimensions qui sont liées. Et donc, un étudiant en médecine fera une thèse, oui, sur l'usage des gaz de combat, mais pour s'intéresser du point de vue des séquelles, des souffrances, des douleurs et des traitements éventuellement qu'on aura pu créer ou inventer pour faire face. Mais l'historien, lui, va rester cantonné, l'historien de la guerre reste cantonné sur son petit domaine. La deuxième réflexion, c'est que nos sociétés, là aussi, c'est l'expérience de l'historien et de la vision sur le long terme, nos sociétés ont beaucoup de mal à renoncer à utiliser une innovation, en tout cas présentée comme telle, une innovation technique, technologique, dans tous les domaines. Hein. Alors, ici, il est question de la chimie. Je serais prêt à prendre un pari que dans quelques années, on aura aussi ce type de réflexion à propos des nouvelles technologies, notamment de l'information, le numérique, les capteurs divers et variés, etc. En fait, nos sociétés sont incapables de renoncer à l'appât du gain. On a un problème avec ça dans nos sociétés, il faut aussi qu'on travaille là-dessus. On ne peut pas renoncer à la victoire, on ne peut pas renoncer à faire fortune, on ne peut pas renoncer à acquérir du prestige, ou en tout cas à ce qu'on place à ce niveau-là. Et ben clairement, nous allons dans le mur. C'est-à-dire que, bon, j'ai dit que c'était assez mineur l'impact pour la Première Guerre mondiale, mais on voit bien qu'avec la guerre du Vietnam ou la guerre d'Indochine américaine et la guerre du Vietnam française, c'était déjà à une autre échelle. Mais surtout, on voit très bien à quel point il faut qu'on change de méthode, il faut qu'on change de paradigme même plus gravement. Faute de quoi, ce sont des défis qu'on sera incapable de relever. Pour terminer, je dirais que, donc c'est vraiment ma conclusion, en 14-18, certes, ça a été la grande guerre chimique, mais une guerre chimique finalement exploratoire, une guerre chimique limitée. Et puis, un siècle après, moi il me semble que nous sommes confrontés à une guerre chimique globale, totale, qui ne dit pas son nom. Il y a des guerres qui n'ont pas de nom. Eh bien, ce que nous vivons aujourd'hui, notamment avec toutes ces attaques à l'encontre de nos populations, ces perturbateurs endocriniens que l'on retrouve partout, jusque dans nos assiettes, dans nos vêtements, etc. Eh bien, je crois qu'il faut qu'on la qualifie aussi. Bon, là, ce n'est pas l'historien qui parle, mais je crois qu'il faut aussi qu'on sorte de notre rôle officiel. Il me semble qu'il y a des guerres qu'il faut nommer. Tant qu'elles n'ont pas un nom, elles ne peuvent pas exister. Et on se demandait à plusieurs reprises depuis hier pourquoi il a fallu tant de temps pour faire reconnaître les victimes de l'amiante. Eh bien, on sait, les historiens, les chercheurs en sciences sociales savent qu'il ne suffit pas d'avoir des victimes pour que le scandale existe. La mise en scandale, elle nécessite un certain nombre d'acteurs, d'une mobilisation des acteurs, et elle nécessite également des conditions de situation, des rencontres, des coalitions, et je pense que ça doit nous faire réfléchir aussi sur la suite du combat à mener. Voilà, je vais arrêter là. J'espère que je n'ai pas abusé. Bon.